dans le stade du club scientifique du lycée de Zamangwe, qui est en fait venu sous le nom du CASNAF, qui est le centre pour les initiatives scientifiques, grosso modo. Donc ce que vous avez ici, ce sont des prototypes qui ont été montés par les élèves. Malheureusement, c'est les élèves qui ne sont pas là. Donc, vous avez sur le lycée de Zamangwe, ce club scientifique, ici vous avez une montre. Voilà, la montre, la voilà qui marche. Évidemment, il n'y a pas de pile. Donc, comme vous allez le voir, ça manque sur l'électricité. Donc, ce qui fait fonctionner ce son, c'est ces troncs-ci. Ouais. Et vous avez à côté ici un type d'équilibre. Ceci. C'est un type d'équilibre stable, on l'appelle comme ceci. C'est au programme du cours de seconde, que ce soit en A ou en C, qui est juste illustré par ces deux fourchettes de circulation de Liège. Et ce même système est appliqué dans ce jouet. Quand je prends ce jouet-ci que je dépose là, il reste là. Bon, il y a des gens qui l'ont exploité, on ne va pas rentrer dans les détails. Là, vous avez un prototype de générateur de biogaz. À partir des déchets organiques, on peut produire un gaz qui est utilisé dans la cuisine. Oui. Donc, nous n'avons pas eu le temps de manger tout, mais en fait, il est là. Et là, vous avez aussi monté les boomerangs. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent ici. Donc, je vous propose de animer ces gens. Bon, donc, c'est un objet que lorsqu'on lance, il fait un détour et il revient vers vous. Et derrière vous, vous avez autre chose, ce sont des puissants solaires. Là, derrière vous, vous avez des puissants solaires. Le booster parabolique à droite, le booster à droite, Donc ici vous avez un type de réfrigérateur prototype, un réfrigérateur à charbon. Avec lui on peut faire baisser la température jusqu'à 7 degrés. C'est-à-dire dans une zone où il n'y a pas d'électricité, on pourra conserver les liquides pour conserver la viande pendant 2 jours. Donc, grosso modo, voilà un peu ce qui fait le stand du club scientifique. Et vous dites que toutes ces réalisations sont des élèves. Des élèves. De quelle classe exactement? Bon, toutes les classes. Les sixièmes sont un peu... Ils se disent qu'ils ne sont pas concernés, mais à la fin, quand il y a beaucoup qui sont arrivés en voir ce qu'on avait fait, ça quitte de la quatrième jusqu'à la terminale. Mais il n'y a pas d'âge à ce qu'on fait là. Oui. C'est vrai que ça sont seulement des échantillons. Nous avons voulu axer le thème de notre exposition sur le thème qui était aujourd'hui, c'est-à-dire l'écologie et le développement. Donc c'est pour ça que beaucoup plus voient des énergies du soleil. Il y a des expériences en agriculture, il y a des expériences en biologie, il y en a. On a accès à ça. Ces expériences sont réalisées dans le cadre des TD ou bien c'est par rapport aux programmes scolaires qui sont en vigueur. C'est réalisé, ça c'est le club scientifique. Oui. Dans le cadre du club scientifique. Oui.